À l'aide de deux grandes pinces situées à l'avant de son corps, le scorpion immobilise sa proie et la frappe avec son métazoma, une queue qui contient la glande à venin et se termine par un aiguillon. Le poison injecté finit par tuer sa proie. Grâce à son venin, le scorpion peut déguster tranquillement sa victime. Tous les scorpions sont venimeux. Leur venin contient plusieurs toxines ayant chacune un effet différent. Mais seules quelques rares espèces possèdent un venin assez puissant pour tuer un homme. Avec sa petite bouche, le scorpion ne peut aspirer que du liquide. Les enzymes contenues dans le venin dissolvent les chairs de la proie, ce qui permet au scorpion de la manger de l'intérieur. Le scorpion se sert de son venin pour terrasser ses proies, mais aussi pour se défendre. Les prédateurs, tels que les mille-pattes, les musaraignes, les chouettes, les chauves-souris et les coyotes, sont friands de scorpions. Mais les pires ennemis du scorpion sont le suricate et la mangouste, tous deux immunisés contre son venin.